que la baronne est toujours assise. Pourquoi elle ne se lève pas pour faire les directs? Aujourd'hui, je suis obligé de me lever parce que comment se lever? Voilà, me voici. Une femme debout, propre, élégante, 50 ans, dans quelques mois. Pas mince. Les fesses sont là, posées. Pas comme une aiguille. I am a bat. Non, parce qu'il faut commencer par le commencement. Oh, hey, tu vas à 6 heures. Mais moi, je suis. C'est le père de Zan qui remplit sa télé. Moi, non. Je ne peux pas remplir une télé. Je suis la posée. C'est une sportive. Hein? Si le ténia t'a fait maigrir, ce n'est pas mon problème. Je suis une femme africaine debout, posée. Les seins sont là. Les fesses sont là. C'est quoi? Tu vois que quoi? À 50 ans, on doit être comment? Quand moi j'avais ton âge, je pesais 45 kilos. Qu'est-ce que je raconte? 50, 55 comme ça. Tu vois mes photos? Tu vois que quoi? Quand elle fait toujours les lives debout, assise. Non, elle fait les lives assises parce que je me gronde parce qu'un live où on s'amuse, on est calme. Mais là, je me suis levé pour te montrer que je suis une femme africaine debout. Tu vois, non? Mes 50 ans ne souffrent de rien l'année prochaine. Me voici debout. Voilà. C'est là. Les fesses sont là. Est-ce que c'est la tisse? Est-ce que c'est... Moi, je ne suis pas les quais. Ce n'est pas la règle. Non. Tu es debout, tu sautilles, on va se... On voit comme si c'était le I. Non, il n'y a pas ça. Je me reçois par respect. Donc, on commence par le commencement. On va venir nous embrouiller. Les gens me voient courir ici. Je fais le sport. Le ventre que tu vois là, c'est un ventre qui est inventé, tu vois. Mais c'est aussi un ventre quand tu es bien dans ta tête. Quand tu es moralement assise. Quand tu sais que tu as travaillé. Quand tu vois comment ta vie est posée, il n'y a pas de stress. Tu remercies le Seigneur. Et même si tu manges seulement la salade, ton corps est calme. Tu vas voir quand quelqu'un est heureux sur son teint. Et toi qui viens, tu n'utilises pas des huiles. Regarde le teint. Regarde les yeux. Regarde. Tu m'as dit que je suis la plus laide de la toile. Ok. Non, ma part de mari s'est trompé pour m'épouser. Voilà mon teint. Pas de maquillage. Rien. Je me lève le matin. C'est comme si je n'avais jamais dormi. J'ai enlevé les lunettes. C'est les yeux. C'est le teint. C'est le corps. Voilà ça. Voilà les doigts d'une femme. C'est-à-dire que tout mon corps est comme tu as vu là. Ce n'est pas. C'est-à-dire que. Il n'y a pas qu'un homme va se réveiller à côté de moi et dit que je dois à côté de quoi. Voilà ça. Les doigts là, que tu vois. Propre. Le couleur de mes doigts sont la couleur de mon visage. Est-ce qu'il y a la différence? Il n'y a pas que une étoile claire, une ça. Voilà ça. Même couleur. C'est ça qu'on appelle une femme propre. Une femme sûre d'elle. Une femme posée. Ça veut dire que quand elle me réveille le matin, je ne tremble pas que le gars qui a dormi à côté de moi, il dit, hé, ma soeur, toi aussi, tu n'exagères pas. Les cheveux ont sauté. Il se réveille, il est sûr que ce qu'il a vu la nuit là, c'est la même personne. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a rien. Mais il est sûr que le gars qui est dans là, c'est la même gars. Le corps, c'est la même chose que le visage. Moi, ce beau-dieu là, c'est quoi? C'est que vous venez nous encombrer sur Facebook. Il y a un découpé de gars que. On les voit sur Facebook là. Le filtre, il n'y a pas de filtre sur mon direct. Ce n'est pas le filtre. C'est la caméra normale. Je ne fais pas de filtre pour faire le direct. Et même quand tu me vois là, c'est quand tu me vois dehors, je suis la même chose. Il n'y a pas de débat. Donc, je ne sais pas sur quel critère vous basez votre beauté. Mais je suis sûr que je suis une digne fille d'humanité. Posée. En tout cas, le Seigneur, en m'accouchant, n'a pas quand même raté son travail. Si tu penses qu'en sautant là, tu es comme. C'est-à-dire que quand on te voit debout là, on dirait que le ténia t'a avalé. Le ténia t'a avalé. Quand on voit Étoile qui vient debout, on a l'impression que le ténia l'a avalé. L'eau c'est sec, sec. Si tu es sur le lit, même un homme te souffle, tu peux disparaître. Si tu es sur le lit, un vrai homme te souffle, tu peux disparaître du lit. Mais oui, moi là, quand je suis couché sur un lit avec un homme, il sait quand même qu'il y a une femme qui est couchée. Parce que je prends de l'espace, je suis là. Il voit que non, une gars est posée à côté de moi. Une gars est posée à côté de moi. Bon, maintenant toi là. Le monsieur va se réveiller la vie, il dit, mais elle est même l'aiguille qui était ici hier. Il tend la main, il cherche. Bon. Il peut trouver une aiguille qui est posée là-bas. On te prend comme la tisse, on retourne là, je suis fausse. Mais c'est quoi ça? Donc on est à ce niveau. On a l'air des femmes fortes, propres, claires, naturelles. C'est ça que je te dis ça calmement. Bon, maintenant. On va aller dans le vif du sujet. C'était pour planter le décor. Tu as dit que je suis laide. Je suis ça. Ok. On a planté le décor. On laisse la partie là. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va pas aller loin. Parce que si moi, je n'aime pas le Congo, ça.
Ce que je fais toujours, quand je réponds à quelqu'un, je pars sur ses dires pour m'expliquer. Je veux dire aux gens qui me suivent que, comme et toi qui bien se promène, cricket se promène sur les réseaux sociaux comme un esprit perdu, pour faire des recherches sur elle, c'est très très dur. Je vous le promets. Mais on a réussi à faire quand même des recherches. Est-ce que les gens savent que tu chantes et toi qui bien? Pourquoi tu ne fais pas la promo de tes sons? Parce que c'est nul. On dirait les enfants de la maternelle. Et toi qui bien a sorti un son il y a 2 ans. Elle a 72 000 vues. Non, 772 vues. 772 vues en 2 ans. Attendez. Je vais te faire un peu de publicité, tu vois. Peut-être les gens après vont aller voir tes conneries là. Oh Seigneur, ramène-moi. Oh Seigneur, on va aller voir ça. Hey! Donc, allons voir un peu. Allons voir un peu. Et toi qui bien chante. On va aller voir. Je te fais la publicité, c'est gratuit. Ce n'est pas parce que... Moi, tu sais, j'ai pas le mauvais cœur. Même si tu es francophone, j'ai pas le mauvais cœur. On va aller voir ton son. Ça fait 2 ans que tu as sorti ça. Attendez. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que j'ai triché. Attendez. Voilà. Voilà son son. C'est elle qui demande pardon au Seigneur. On va voir. C'est exactement 774 vues en 2 ans. 774 vues en 2 ans. Ça veut dire qu'elle chante depuis 2 ans. Elle nous met la mise sur YouTube. Il y a 774 vues. Bon, je te fais la publicité. Peut-être dès qu'on va finir le live, si les gens vont quand même écouter, non, pour te faire un peu de... Peut-être ça va monter, non? Moi, j'ai pas le mauvais cœur. Mais il faut que les gens aient écouté tes conneries que tu fais. Même, oui. Même les hommes, même. Laissez Oshiga. On va pas. Oshiga est enceinte de bébé TikTok. J'ai dit que je ne cherche plus le premier Oshiga. Je vais seulement parler très doucement Oshiga. Elle est enceinte, il ne faut pas, on ne fait pas le problème avec une femme enceinte, on la protège. C'est ça. Donc Oshi, tu chantes bien, c'est tout. Il n'y a pas de... Bon, Oshiga, même c'est comment tu chantes mieux que... Tu chantes mieux que l'usurpatrice de cricket. Mandjanga de cri, il ne peut pas chanter plus que toi. Maman, 774 vues en 2 ans. Hey, attendez, c'est pas ça, non? Peut-être que je vais mentir. 774 vues en 2 ans, ça veut dire que hein, même sa propre famille n'est pas allée la lancer. Mes étoiles, ouais, c'est ici, maman, 774, c'est son propre son. Écoutons, et toi, tu me dis qu'on va écouter d'abord ton son avant que je passe à la vitesse supérieure. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand je parle avec vous, c'est pas parce que j'ai peur de toi. Aujourd'hui, je vais te framponner, et puis il n'y aura rien. Quand je suis gentil avec toi, tu crois que parce que j'ai peur de toi, parce que tu vas sautiller, tu n'es rien sur les réseaux sociaux. Et je vais te déconstruire aujourd'hui propre. Tu as compris avec quoi? Personne ne savait que tu chantais, même toi-même tu as oublié que tu chantais. Puisque tu es sur internet pour faire des problèmes. Voici une chanteuse qui a oublié qu'elle chante. Elle a 774 vues en 2 ans de son propre titre. On peut faire ça? Tu sais pas sur les réseaux sociaux pour voir. On est devant le même ton truc. Tu peux faire qu'au début de tous tes lives, tu mets ton son. Je te donne les conseils, maman. Ça peut faire qu'au fur et à mesure que les gens écoutent. Depuis 2 ans que tu as posé, il y a 2 ans, 774 vues. Je comprends pourquoi un arrangeur t'a chassé à Douala. Vous savez quoi? Il y a eu un problème ici. J'appelle et toi qui viens, je lui dis que il y a elle me dit que oui vraiment je ne peux pas le soutenir. Il m'avait refusé. Donc je suis allé appeler dans l'arrangeur. Je lui dis que qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit que merde. Elle est venue ici. Elle dit qu'elle veut déjà chanter. Elle a payé. Non, elle a dit que je lui ai donné le prix. Elle a accepté. Je lui ai envoyé le beat. Je lui ai envoyé. Maman, chanter, elle ne connaît pas chanter. Elle chante à gauche, le beat chante à droite. On va lui expliquer que non, ne chante pas comme ça, chante, on chante plutôt comme ça. Moi, non, Sabine, elle peut chanter. Elle chante à gauche, le beat chante à droite. L'arrangeur a dit que je ne veux pas que mon nom sorte dans la qualité ici. Je ne veux pas me salir. Je produis, je fais des grands artistes. Mais l'arrangeur a dit que même avec ton agent, l'arrangeur a pris et son agent et elle-même et tout, il a pris, il a jeté hors de son studio. Maman, depuis qu'on refuse l'agent dans le studio, on a refusé l'agent de toi qui vient. Elle voilà dans un studio. Vous pouvez comprendre ça. Ça veut dire qu'elle est nulle, que même suivre la dame, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Puisque quand vous voyez qu'on s'est posé là, c'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur. Là, comme elle a chanté là. Ça veut dire que c'est l'ordinateur. On a collé pour que ça ressemble à une chanson. Maintenant, quand elle part, on voit les grands arrangeurs. On lui dit que bon, pose la voix comme ça. On donne le beat. On donne le beat. Elle pose la voix. Mais le beat avance et chante derrière. On dit que okay, fais un peu les efforts, non? Après, on lui dit que non. C'est comme ça. Ça va pas marcher. Maman, l'arrangeur dit que ne garde pas mon nom. Et ton agent et toi-même, hors de mon studio. Un arrangeur qui a fait un des plus grands arrangeurs de Douala l'a chassé. Je dis, mais un des plus grands arrangeurs de Douala l'a chassé, elle et son agent. On peut faire ça? Si, même
téléphone. Quand toi-même tu vois que ton son a 774 000 vues depuis deux ans, tu vas te poser. Même ta famille va dire, bon, partageons quand même, non. 774 vues en deux ans.